Salutations et bienvenue dans un nouvel épisode de Guide sur les quêtes RuneScape. Aujourd'hui, nous allons réaliser la quête Héritage des Profondeurs en temps réel. Pour accomplir cette quête, il faudra avoir terminé la quête Le Monstre des Profondeurs, Bataille Onirique et une aventure mémorable. Vous aurez aussi besoin de 75 en force et en attaque, puis de 65 en profondeur. De l'équipement de combat au corps à corps, à distance et en magie sont recommandés. Des runes pour les sorts d'air, feu, eau et terre. Puisque vous allez devoir tuer une mère d'Aganoth qui changera de vulnérabilité durant le combat. De plus, je recommande fortement de ne pas utiliser le combat au corps à corps jusqu'à temps que vous soyez au boss final, car vous aurez des ennemis à tuer qui seront cachés derrière des obstacles. De la nourriture peut être aussi recommandée étant donné un nombre élevé d'ennemis à tuer durant la quête. Pour faire un petit résumé de la quête, un étranger s'est échoué sur les côtes de l'île lunaire. Baba Yaga demande votre aide pour le remettre sur pied. Mais méfiez-vous des horreurs qui se cachent dans son esprit, car elle pourrait s'avérer être une menace bien réelle pour les Fremeniks du monde entier. Pour commencer la quête, il faudra parler à Baba Yaga dans sa maison qui bouge au nord de la magnétique de l'île Selene. Sélectionnez la première option. Acceptez la quête. La première. Reparlez-lui. La première option. La première. La première. Cliquez sur Silas. La première option. Fouillez la bibliothèque au nord. Montez les escaliers. Cliquez sur Silas. La première option. Allez dans le tunnel à l'ouest. Parlez à Silas. La première option. Lisez le livre juste à côté. La première option. Combattez les ennemis jusqu'à ce qu'il y ait un écran noir. Ça peut prendre plusieurs minutes de combat. Thank you.
par la Baba Yaga? La première option. La première. La deuxième. Combattez les ennemis jusqu'à ce qu'on vous dise d'aller sur le bateau. Une fois que Brune vous a dit d'embarquer sur le bateau, cliquez sur le bateau de Brune pour une cinématique. Palais à la Reine. La première option. La première. Par la brune. La deuxième option. Si vous avez besoin d'aller à la banque, c'est le bon moment. Pensez juste à laisser un espace vide dans votre inventaire. Une fois prêt, par la Jarvald à l'ouest. La première option. La première. La première. La première. Par la bardure un peu au sud-ouest. La première option. La première. Allez au sud-ouest. Utilisez la corde sur le trou. Descendez dans le trou. Parle au roi. La première option. La première. La première. Allez prendre l'échelle au bout, tout en vous assurant que le roi va vous suivre.
Vous devez rester près de lui pour pas qu'il se fasse kidnapper ou tuer par les Daganoth. Donc, pensez à tuer les ennemis et ne pas vous trop vous éloigner. Ici, allez au sud. Aller vers l'est. Assurez-vous qu'il ne reste pas coincé à quelque part. Monter l'échelle. Allez monter l'échelle à l'ouest. Faites attention à plusieurs ennemis qui apparaîtront. Allez prendre l'échelle à l'est.
augmenter l'échelle au nord. La première option. La première. Parler à hier. La première option. La première. La première. La première. Parler à Nial. La première option. La première. La première. Parler à Self. La première option. La première. La première. Reparler à hier. La première option. Parler à Brunt. La première option. Parler au roi. Sélectionnez que la première option durant tout le dialogue. Parlez à la princesse ou au prince, dépendamment de qui vous avez épousé durant la quête précédente. La deuxième option. La première. La première. La première. Par la Brunt. La deuxième option. Si jamais vous avez besoin d'aller à la banque pour vous préparer au combat final, il y en a une juste à côté. Une fois prêt, téléportez-vous à Releka et allez parler à Brune dans la maison longue.
Sélectionnez la deuxième option. La première. Parler à Baba Yaga. La première option. La deuxième. La première. La première. La première. Entrez dans le trou. Passez par le tunnel au sud. La première. Repassez par le tunnel au sud. La première. Tuez les sentinelles. Pour les joueurs de haut niveau, vous pouvez vous concentrer sur une sentinelle à la fois. Les autres devront alterner pour empêcher qu'elles se soignent entre eux. Cependant, il existe un bug où vous serez incapable d'attaquer la deuxième. Il faudra se mettre sous celle que vous ne pouvez pas attaquer, ce qui l'empêchera d'attaquer ou de soigner. Une fois les deux sentinelles tuées, entrez dans le tunnel. Commencez par aller vers l'est. Allez vers le sud-ouest en passant les obstacles. Remontez vers le nord pour entrer dans le tunnel. Allez au sud complètement pour entrer dans le tunnel. Passez le tunnel pour le combat final. Tuez la mère d'Aganoth. La première option. La première. La première. Commencez par l'attaquer avec l'arme Balmug, puis alternez avec vos armes en fonction de la couleur qu'elle aura sur son dos. Je vous mets à l'écran les attaques que vous devez lui faire en fonction de sa couleur qui changera au fur et à mesure que le combat évolue. Une fois tué, sortez du tunnel et prenez les objets qui sont par terre. Faites effondrer les piliers proches du tunnel sud.
parler ailleurs? La première option. La deuxième. La première. Vérifier les cadavres. La première option. Parler à Baba Yaga. La deuxième. Parler à Korchaï. Monter la corde. La deuxième option. La première. Félicitations, vous avez terminé la quête Héritage des Profondeurs, ce qui vous donne 2 points de quête, Balmug, l'arme de la quête, l'accès aux gardes d'Aganoth ainsi que sa mère dans le tour de domination et la possibilité d'avoir 3 lampes de 150 000 XP en combat en parlant à Brunt et 2 clés de la chasse au trésor. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un like, ça fait toujours plaisir et en plus ça aide énormément au soutien de la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!